Au lendemain du remaniement du gouvernement de la transition, les réactions se multiplient dans les rues de Ouagadougou. Les citoyens se prononcent et les points de vue divergent. Certains saluent la décision, d'autres par contre la jugent inopportune à 3 mois de la fin de la transition. Brûleur d'État s'initie aux techniques d'investigation. La formation est assurée par des experts des Nations Unies, de quoi renforcer l'efficacité de l'autorité supérieure de contrôle d'État dans la traque de la fraude et de la corruption. Le procès d'Hissène Habré s'est ouvert ce matin à Dakar, au Sénégal. L'ex-président tchadien est jugé par un tribunal spécial mis en place par l'Union africaine, un tribunal dont il ne reconnaît ni la légalité ni la légitimité. Il est poursuivi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de torture. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, ce communiqué, le président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu le décret numéro 2986, presse GC, du 15 avril 2015, portant attribution, organisation et fonctionnement de la grande chancellerie des ordres burkinabais, décrète, article 1, Monsieur André Roch Compaoré, officier des forces armées nationales à la est nommé grand chancelier des ordres burkinabés. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel du FASO Ouagadougou le 19 juillet 2015, signé Michel Kafando. Retour sur le remaniement intervenu hier au sein du gouvernement de la transition. Qu'en pensent les citoyens? L'une de nos équipes a promené son micro dans les rues de la capitale et le moins que l'on puisse dire, c'est que les points de vue divergent. Si pour les uns la décision est salutaire, pour les autres par contre, elle est inopportune à 3 mois de la fin de la transition. Des propos recueillis par Moussa Ouedraogo et Mounira Kéré. Si le président agit qu'il est bon de procéder à un changement, je crois que c'est bien. Et sans que ce changement-là nous apporte un bon résultat. Bon, moi, je trouve qu'ils font tout ce qui est bon pour le pays. Eux-mêmes, ils sont là, ils savent ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ce qui veut déranger le pays, là, il faut qu'on l'écarte. Donc, quant à moi, je vois que c'est bon. Ils devraient laisser la transition terminer leur travail pendant les 3 mois qui restent. Quant à eux, ils peuvent se voir après. C'est bien. Bah, donc on souhaite seulement en tout cas que le remaniement là soit très très bien et que notre nation soit dans la sécurité totale. Bon, comme ça n'allait pas un peu, bon, ça va permettre de tranquilliser bon, le gouvernement de transition. Voilà. Bon, je pense que c'est les mêmes ministres qui sont restés. Voilà, à part le ministre de l'administration territoriale qu'on a changé. Bon. Et je suis pour. Si ça va aider à résoudre les problèmes que nous courons, c'est tant mieux. Sinon, pour moi, c'est une grande perte quand même que M. Denis Barry s'en va, puisque qu'il a eu à faire comme travaux au sein du gouvernement. Franchement, bon, c'est un sort pour moi. Comme c'est un truc militaire, là, c'est qu'au sein de l'armée, ils savent ce qu'il y a. Mais bon, nous, on veut très prochainement à ce qu'ils vraiment nous disent pourquoi, et avant la fin de cette transition-là, on fait un remaniement ministériel. Nous, on veut ce qui est cassé en bas, là. Voilà pour ces points de vue recueillis dans les rues de la capitale. Le comité de soutien à la candidature de Djibril Bassolé dénonce la mise en accusation de son candidat par le Conseil national de transition pour détournement de deniers publics. Pour ce comité, il s'agit ni plus ni moins que d'un acharnement visant à écarter par tous les moyens l'ancien ministre des Affaires étrangères de la course à la présidentielle. Les membres du comité étaient face à la presse ce matin. Kolaï Nebié, Sibidi Issa. Le comité de soutien à la candidature d'Ibril Bassolé voit la mise en accusation par le CNT des anciens membres du gouvernement du régime Compaoré une volonté d'empêcher son candidat de se présenter aux élections d'octobre prochain. Pour Adama Kiema et ses camarades, il s'agit du troisième acte posé par les autorités de la transition visant nommément leur candidat. C'est simplement et simplement de l'acharnement. Depuis que nous avons lancé l'appel à la candidature de Bassolé, il ne se passe pas un jour sans qu'on ne vienne pas avec un problème. Voilà que la CEDEAO rend son verdict. On parle d'exclusion. Le coq n'a même pas chanté. On dit Bassolé a volé l'argent. Le comité dit n'y voir aucun inconvénient à cette mise en accusation,
à condition qu'elle s'étende à tous ceux qui ont été comptables de la gestion des affaires publiques durant les 27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré. Et le comité d'appeler les premiers responsables de la transition a joué leur rôle, celui de l'organisation d'élections libres, transparentes, inclusives et démocratiques. C'est une corde de plus à l'arc des contrôleurs d'État. Ils sont une cinquantaine à s'initier aux techniques d'investigation, une formation assurée par des experts des Nations Unies. Pour l'autorité supérieure du contrôle d'État, c'est l'assurance d'une traque plus minutieuse, mais aussi plus efficace de la fraude et de la corruption. Jacques Lamissa Tarpaga. Les contrôleurs d'État passent du contrôle à l'investigation et pour cela, ils entament ce lundi 5 jours de formation sur les techniques. On avait pu constater que la SCE était très nettement axée sur le contrôle, mais un petit peu plus faible sur l'investigation et sur la sensibilisation et la prévention de la corruption. Si vous travaillez dans le domaine de la répression de la corruption et que vous n'avez pas in fine la justice qui enquête, ça sert absolument à rien. L'autorité supérieure de contrôle d'État fait ainsi des réformes pour être plus efficace sur le terrain de la lutte contre la fraude et la corruption. Mais l'ASE veut aussi mettre l'accent sur la prévention. Le premier élément dans la lutte contre la corruption, c'est la prévention pour éviter que la corruption ne s'installe. Même si la répression est aussi une des armes de lutte contre la corruption, le mieux c'est de prévenir, de sensibiliser, d'éduquer pour faire en sorte qu'il n'y ait pas, il y ait une culture du refus de la corruption. Un des griefs ou des reproches que nous fait la justice, c'est de dire que nos dossiers ne sont pas ficelés de la manière dont la justice sait les lire. Donc, nous aurons la possibilité d'avoir des connaissances dans ce domaine. L'autorité supérieure de contrôle d'État, dans sa mutation, entend intégrer en son sein des officiers de police judiciaire. Renforcement de capacité également pour les médecins et les majors de l'hôpital Yalgado Ouédraogo. Objectif, plus de professionnalisme et pour ce faire, le recyclage porte sur les droits et les devoirs des patients ainsi que la responsabilité juridique des établissements de santé. Nongba Kouda, Amandine Lalsaga. Le serment d'Hippocrate est bien beau, mais dans son application, il y a souvent des dérives avec pour corollaire des poursuites judiciaires. L'hôpital Yalagado effectivement été condamné par la justice pour dédommager effectivement un patient qui a estimé avoir été mal traité et par un médecin, je crois, stagiaire à l'époque, c'était dans les années, je crois, 2000 ou chose, bon, et qui a prescrit ou en tout cas appliqué un traitement qui n'était pas le traitement à faire dans ce genre de cas et qui a débouché sur une amputation de sa jambe. Prévenir vaut mieux que guérir. Et la direction de l'hôpital Yalgado Ouédraogo joue la carte de l'anticipation, formée pour bien soigner. Il y a principalement deux modules. Un module sur les droits et obligations des patients. Et le deuxième module, ce sera consacré aux responsabilités juridiques, aux responsabilités au pluriel, juridiques des professionnels de santé. L'assistance seule du médecin ne suffit pas. La compréhension du patient est aussi un atout pour une meilleure prise en charge. Objectif, améliorer la qualité de l'éducation, minimiser les déperditions et rendre l'école obligatoire pour les enfants de 3 à 16 ans. C'est l'enjeu principal de la réforme curriculaire de l'éducation de base qui sera expérimentée dès la rentrée prochaine dans 6 régions du Burkina. En attendant, le ministère communique, une conférence publique a été organisée ce matin à Zignaré. Moussa Ouédraogo, Aboubakar Sayon. Expliquer et préciser les contours et les avantages de la réforme curriculaire de l'éducation de base aux acteurs du système éducatif et aux populations de la région du plateau central, c'est tout l'enjeu de cette conférence. Cette réforme curriculaire sera expérimentée dans 6 régions, dont le plateau central, dès la rentrée prochaine. Elle vise l'équité entre tous les Burkinabés
et l'intégration de nouvelles thématiques telles que les droits humains, la santé, l'hygiène, l'assainissement et l'éducation environnementale. Les objectifs recherchés sont d'aboutir à un système éducatif plus performant, à minimiser surtout les déperditions au cours du cursus scolaire et surtout à consacrer l'obligation scolaire pour les enfants de 3 à 16 ans. Il importe que nous outillons nos enfants dès le bas âge à un certain nombre de formations de qualité. Nous avons mis tous les moyens de notre côté pour que cette expérimentation se déroule dans les meilleures conditions. L'application de cette réforme vise à doter les élèves en fin de cycle de compétences leur permettant soit d'assurer la gestion d'une petite unité de production, soit d'entreprendre des études secondaires, générales ou professionnelles. Au ministère des enseignements secondaires et supérieurs également, l'heure est au préparatif de la prochaine rentrée. 600 nouveaux enseignants s'apprêtent à faire leur premier pas. Le département les a réunis à Kourougou pour un bain pédagogique, l'occasion de leur apprendre comment dispenser leurs cours avec efficacité et comment noter les élèves. Reportage Jean-Eudes Bayala, Viviane Tiendrebego. Ernest Konaté fait partie des 627 professeurs recrutés sur mesure nouvelle en 2015 au profit du ministère des enseignements secondaires et supérieurs. À rentrée prochaine, il va enseigner l'histoire géo au lycée départemental de Tansila. J'aimerais avoir, bon, comme en tout cas, formation de base, surtout comment diriger, par exemple, une séance de cours avec les élèves. C'est pour répondre à cette préoccupation que le ministère a initié un bain pédagogique à l'intention de ses nouveaux enseignants. Au programme, plusieurs thèmes, dont la notation. La note, elle peut paraître démotivante pour l'élève si la note ne va pas au-delà de la moyenne. Mais la note également permet de communiquer non seulement avec l'élève, mais de communiquer également avec les parents d'élèves et l'administration pour situer le niveau d'abord des apprentissages. Ces nouveaux enseignants ont été recrutés avec le niveau licence, DUT, BTS ou ingénieur des travaux. Ils ont déjà déposé leur dossier pour être engagés dans la fonction publique. Le bain pédagogique à l'intention des nouveaux enseignants va durer 5 jours. La gestion, c'est bien souvent le talon d'Achille des mutuelles sociales et pour soutenir les acteurs, le ministère de la fonction publique a initié une formation à leur intention. Une vingtaine d'acteurs mutualistes ont l'occasion de revisiter le B.A.B.A. du plan comptable d'une mutuelle. Jean Zongo, Estelle Judith Assogba. À cette session de formation, les acteurs mutualistes renforcent leurs capacités sur le plan comptable des mutuelles sociales, un instrument adopté le 10 mai 2012 par le Conseil des ministres de l'UEMOA et entré en vigueur en janvier 2014. Le présent atelier donc se veut une rencontre pour permettre aux acteurs de mutualité de se pencher donc sur le plan comptable des mutuelles sociales, parce que c'est un instrument extrêmement important pour la viabilisation même des mutuelles sociales au Burkina Faso. Ce plan comptable a pour vocation d'offrir un cadre juridique adéquat aux différents mutuelles, de permettre d'apprécier les équilibres financiers fondamentaux et d'inciter le secteur mutualiste à tenir une comptabilité régulière. Son appropriation par ses principaux animateurs de la mutualité sociale devrait faciliter la mise en œuvre de cet outil de gestion et de planification en matière de la mutualité sociale. Après Ouagadougou, le ministre de la Culture fait le tour des centres culturels et artistiques à Bobo-Dioulasso. C'était ce week-end, Jean-Claude Dioma est allé encourager les artistes et les promoteurs culturels. Mouni Baro. Le centre culturel Seynefo de Bobo-Dioulasso, situé au quartier Belleville, c'est ici que le ministre de la Culture et du Tourisme, Jean-Claude Dioma, est allé à la découverte du riche patrimoine culturel du peuple Seynefo. Et pour les gérants de ce lieu culturel, cette visite donne une autre dimension à leur travail qui est de préserver la culture. L'émotion est très grande pour nous parce que c'est déjà s'intéresser à ce que nous faisons. Et voilà ce que vous faites s'il y a quelqu'un qui s'intéresse. Et voilà, d'ailleurs les autorités qui s'intéressent à ce que nous faisons.
faisons, ça nous va droit au cœur. Donc c'est une très grande fierté qui nous est réservée aujourd'hui. Autre lieu culturel, le centre Siraba. Il fait la promotion de la culture, surtout en danse traditionnelle. Un détour également au musée de la musique, au secteur Vendée de la ville. L'activité de ce musée est de présenter une collection d'instruments de musique. Le centre de formation culturelle, dont le promoteur est Omar Demé, et les studios d'Adama Dramé ont aussi fait l'objet de la curiosité chez le ministre. Il y a des jeunes artistes qui prennent des initiatives et qui créent des espaces. C'est grâce aussi à des gens comme Dramé, à des gens comme Madou Kone, à des artistes qui les ont devancés, qu'eux aussi ils ont eu ce courage. Et nous avons dit à chaque fois, ils n'ont qu'à s'inspirer et prendre exemple sur eux. Et partout, même ceux qui ont l'expérience, comme Adama Dramé, sont aussi confrontés aux difficultés d'ordre financier. L'appui de l'État s'avère donc indispensable. Et justement, l'événement culturel du week-end à Bobo-Dioulasso, c'était la finale de Talent Campus, un concours où se mêlent musique, humour et culture générale. Les premiers de chaque discipline décrochent le droit de participer à une soirée spéciale dénommée Nuit d'hommage aux lauréats. C'est une initiative des étudiants de l'Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso. Ahadi Sandamba. Pour la troisième année consécutive, le pari est encore gagné. Le pari de réunir des étudiants autour de la danse, de la musique, de l'humour et de la culture générale. Nous sommes à la finale de Talent Campus Acte 3. Une finale qui met ici aux prises plusieurs groupes d'étudiants pour la danse, des candidats individuels pour la musique, l'humour et la culture générale. C'est une compétition qui permet de montrer les talents des étudiants à part les bics et leurs cahiers, ce qu'ils peuvent montrer sur scène. Car on sait que la culture, c'est un facteur de développement de nos jours. C'est pour cela qu'on a essayé d'initier, de contribuer à cette culture. Plus de 5 heures d'horloge, les candidats ont rivalisé de talent, tenant ici en haleine les nombreux spectateurs sortis pour ne pas se faire compter l'événement. Et au finish, les lauréats des différentes disciplines seront primés aussi bien en nature qu'en espèces, et ce, lors d'une soirée d'hommage aux lauréats qui sera organisée ultérieurement, nous ont confié les organisateurs. Le remaniement du gouvernement et la mise en accusation des dignitaires de l'ancien régime, voici les deux sujets principaux traités par les quotidiens aujourd'hui. La revue de presse nous est proposée par Aimé Solange Guigma. Remaniement ministériel au Burkina Faso, l'Observateur parle à titre à la une, Barry le mouton des sacrifices. Le ci-devant ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité a été remplacé par Youssouf Ouattara, précédemment secrétaire général du ministère en charge de l'environnement, renchérit le pays. Aujourd'hui au Faso, nous apprend que Zida est le miraculeux estropié de la primature et Michel Kwando cumule désormais les portefeuilles de la défense des anciens combattants et de la sécurité, mais cède celui des affaires étrangères au ministre délégué Moussa Nebié. Des décisions prises par le président du Faso pour juguler la crise. Pourvu que ce soit la bonne prescription, souhaite notre temps. Avec ces décisions, la crise est-elle dénouée ou compliquée? S'interroge le soir, car, dit-il, personne ne peut dire comment les choses se sont passées pour que le président Kafando se retrouve ministre de la Sécurité en plus de la Défense qu'il avait annoncé préalablement. La vraie question est de savoir si l'armée est toujours dans la transition ou pas. Sidoya se veut rassembler à ce sujet et invite les filles du pays à utiliser leur intelligence, force, connaissances et compétences pour construire et non pour détruire. Se lit également dans la plupart des unes des journaux de ce lundi, Blaise Compaoré et ses ministres mis en accusation devant la Haute Cour de justice. Le quotidien met en exergue dans ses colonnes la liste des personnes accusées et les chefs d'accusation.
Attention aux procédures à la va-vite, alerte l'observateur Palga, tout en attirant l'attention sur l'amateurisme dans lequel besoin nos honorables députés. Notre temps espère que cette fois-ci, la procédure a été mûrement réfléchie, afin qu'on n'ait pas à redire sur les éventuelles erreurs judiciaires. Et le pays de soutenir que la transition peut justifier la mise en accusation de Blaise Compaoré en se fondant sur la Cour de justice de la CEDEAO qui a reconnu que la modification de l'article 37 de la loi fondamentale relève d'un changement anticonstitutionnel. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Tout de suite, le magazine des sports, suivi du lancement de FASO Académie 2015 en direct du CENASA. Moi, je vous retrouve à 22h15 pour l'édition synthèse.